Bonjour à tous et à toutes, ici TheSDTM, on se retrouve sur un nouveau petit jeu qui s'appelle Forts. Voilà, donc le but du jeu est en fait, on va dire, ce mélange entre Worm, mélange un peu Tower Defense si on veut, on doit en même temps détruire. Non, Tower Defense, ça serait pas le mot exact, je sais pas pourquoi le son est aussi fort, pourtant j'arrête pas de le baisser. Attends, je vais descendre ça à 10%, voilà, ça devrait être mieux. Donc. La meilleure façon de le présenter, je pense que ce sera d'aller sur la map et de jouer un petit peu. Alors, allons se chercher une map. Ouais, pourquoi pas Split, voilà. Je sais pas exactement, c'est la première fois que je joue, donc sur le coup. Donc on va y aller. Alors, équipe, ouais, équipe 1, pourquoi pas. On va mettre l'ordinateur en normal. Défense automatique manuelle. On va dire automatique, je sais pas. On peut choisir un commandant. Sniper à visée laser, meilleure précision. Ouais, pourquoi pas, on va prendre lui, je sais pas, on regardera les autres une autre fois. Voilà. Alors, les missiles ont besoin que les snipers leur désignent une cible pour tirer. D'accord. Alors, on va voir, en fait, le but du jeu, c'est de... On crée une base. Hop, voilà. Attends. Parce que, voilà, ok, je suis capable de bouger au moins. Là, si on prend ça, on peut... Ah, voilà. Étirer notre base comme ça d'ailleurs, comment si je veux, je peux pas faire de pilier ici. Ah voilà, non, bon, ça a pas l'air d'avoir fait un pilier. Ok, on peut regarder, voilà, ici nos matériaux, nos machines, voilà, mine, etc, etc. On va mettre par exemple une autre mine directement, troisième mine, ensuite on va économiser peut-être pour une éolienne, je pense. Les armes, on a pas mal de trucs, on a la petite mitraillette, voilà, qu'on peut mettre par exemple ici, voilà. Alors que si on la met ici, on peut voir, ça fait une petite icône à côté. Alors c'est une icône porte, en fait, ce qui veut simplement dire que de cet endroit, voilà, ça va pouvoir s'ouvrir et se fermer pour tirer. J'ai aucune idée comment tirer, on verra bien comment ça se passe. Ici, on a notre cœur qu'on doit protéger, voilà, nos mines sont en train de se finir, tout ça c'est en train de se faire. Machine, on va mettre une éolienne. Je pense, ouais, tiens, de ce côté-là, c'est peut-être pas la meilleure place où le mettre, mais bon, on verra bien. Notre ennemi, voilà, mais ils viennent de commencer à tirer. Voilà, on peut commencer à les pionner un petit peu. Voilà, on commence tranquillement, voilà, à vider un petit peu de cartouches. Bon, ça fait pas grand-chose, hein, soyons francs. C'est pas une arme très efficace. Là, je sais pas trop ce qu'ils veulent nous faire sur le coup. Bon, nous on a pas mal de matériaux. Donc on va pouvoir. Voilà, hop, j'ai. Attends, ils sont sérieux? Ils ont déjà les. Attends, ils ont déjà une des dernières armes là. Débloque les... tout ce qui est incendiaire. Ouais, on va y aller. Hein. Alors j'ai aucune idée comment on répare. Ouais, on va réparer. Hein. Voilà. Arme. Ici, on va attendre que ça soit réparé. On va mettre une autre gatling. Hop, voilà. De ce côté-là, si je me trompe pas, c'est ici. Il faut le faire passer en... laisse passer projectile et vent. Voilà, c'est ça qu'on veut. Parce qu'on veut que... ça ici. L'air puisse passer. Parfait. Ensuite, on va passer ça comme ça. On va... passer ça comme ça, c'est pas tout à fait... ouais, j'aime pas entendre le bruit des explosions sur notre base, je sais pas trop pourquoi. Voilà, ok. Est-ce qu'on peut ralentir le temps dans ce jeu? Non, j'ai pas l'impression qu'on peut. Ok, ici, hop, ici, on va mettre un autre. Arme, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut aller se faire des mortiers, mais je pense pas qu'on va vouloir se faire des mortiers directs. On va aller se faire ça ici en haut. Voilà, quelques petites tourelles Gatling. Histoire de pouvoir peut-être se défendre un peu mieux. En arrière. Ah, ici on a quelque chose. Ok. Hop là. Ok, on a un feu qui s'est déclenché. Quelques armes qui sont fait exploser, mais à part ça. Ah, à part ça, j'allais dire que ça va, mais ça n'a pas l'air d'aller. Ok, bon, attends, on va y arriver, on va y arriver. C'est juste le temps qu'on s'adapte. Voilà, c'est juste le temps qu'on s'adapte.
Voilà, on va essayer de descendre ça, tiens, comme ça. Oh non, ah, ok, on descendra pas ça comme ça. On va essayer de tirer ça en arrière. Parce que si on tire ça en arrière. Voilà, ça on peut le placer ici. Oh, ils me construisent ça d'office. Ok. Ah, c'est peut-être comme ça qu'il arrive à me tirer alors. Et parce que lui, ça lui a construit d'office. Je comprends pas, je pensais pas que les armes pouvaient se construire, on va dire, automatiquement, mais d'accord. Je me plaindrai pas si on m'en a donné une. Voilà. Hop. Et ici en haut, on va tirer un autre étage. Hop. Machine. Arme. On va mettre un petit sniper. Voilà. Sniper avec une petite porte qui se place ici. Alors, ce qu'il faut savoir. Oh là là, on voit que ça, déjà ici, ça marche pas très bien. Ce qu'il faut savoir, c'est ici. Efficacité 35%, c'est pas génial. Ici, ça serait mieux. Si on était capable d'aller chercher. Voilà. Oh, oup là. Ok, ça a pas marché. Comment ça se fait d'ailleurs que c'est cassé? Ça, c'est comme cassé comme ça. Voilà. On avait des poutrelles pourtant, alors je comprends pas trop, mais d'accord. D'accord. Voilà, bon, on va solidifier ça comme ça, hein. Écoutez, pas trop le choix. Voilà, on va protéger notre structure comme ça. Ici, on va réparer. Voilà. Oupala, voilà. Alors, ils sont encore en train d'essayer de nous tirer tranquillement comme des petits lapins, mais on devrait y arriver. J'ai confiance en nous. Voilà. Là, on a ça ici, donc on va tirer ça ici. Voilà. Là, ils nous disent tirer avec lui. Donc, on va dire tout simplement, par exemple, tirer ici. Voilà. Donc, ça va partir. Voilà. Alors, ça tire des missiles. Hop, joli. Non, mais c'est magnifique quand même. Voilà. Non, tire un peu comme ça. Ensuite, je pense que ce qu'on devrait. Voilà. Bon, là, il nous tire aussi. Je sais pas comment. Voilà. On va juste les réparer tous. Je pense qu'il y a une façon. Mais je sais pas comment. Ok. Si on leur dit tous en même temps. Voilà. Ils tirent tous en même temps. Voilà. Oh, on n'arrive pas à faire grand chose avec, avec des gatines. Hein. Voilà, là c'est trop chaud. Oh, ça fait pas grand chose. Alors, machine. Machine ici. Voilà. Hop, lui il va essayer de faire un petit tir encore. Voilà, là il va tirer dans pas long. Voilà. Ah, on a réussi à tous les avoir. Ça c'est beau. Oh, pourquoi est-ce qu'il veut pas tirer? Ah non, c'est pas ça que je voulais. Pas du tout. Je voulais ça ici. On va dire. Détruis-moi ça ici. Voilà. Ok. Machine, matériaux. Écoutez, on va y aller pour une autre mine de ce côté-là. Ça, c'est bon. Je vais même pas regarder ce qui s'était passé. C'est pas grave. En haut, on a deux éoliennes. Voilà. Là, on a assez de matériaux pour construire. De ce côté-là, oh, il y a plus de porte, lui. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Ouais, oui, porte. Ouais, bah écoute, tu veux pas? Ah, ok, on n'a pas assez de. Ouais, ça fait mal ça. On n'a pas assez de matériaux pour tout réparer. D'accord, on va vite refaire ça ici. Ça ici, je pense qu'on peut l'améliorer. Ok, ça prend 250 et. Ok, donc. Peu de matériaux, on va les attendre parce qu'on manque de matériaux, donc on manque de production. Pourquoi tu me laisses pas l'améliorer? Ouais, tu veux pas. Ok, bon, tu veux pas. Hop, ça, on va le réparer en arrière ici. Hop, voilà, on va monter ça comme ça histoire d'avoir un peu plus de rigidité de ce côté-là. Ça, on va le monter. Ok. Voilà, ils sont encore en train de nous viser, c'est pas un souci. On va peut-être monter. Ah, le support est aligné avec un support existant. Je sais bien, c'est le principe. Hop. Voilà, on va monter ça comme ça, je pense. Voilà.
Ok, donc ça devrait être suffisant. Machine ici, on a celle-là qu'on va pouvoir placer. Je sais pas trop où. Bonne question. Tiens, on va la mettre là. Ça m'a l'air bon. Ce qui va devrait nous débloquer, je pense, les autres machines qui nous restent. Ici. Hop, allez-y. On va essayer de faire un tir en bas. Pourquoi pas? On sait pas. Hein. J'expérimente. Voilà, voir comment ça se passait. Alors, il a pas réussi à tout bloquer. Ça a pas fait grand-chose. Ça a pas fait grand-chose. Un truc aussi qui peut être intéressant à voir dans le jeu. Voilà, on va tirer. Je sais même pas où je tire en fait, hein, mais. Voilà. Ah, si j'essaye de détruire ces éoliennes. Ouais. Hop, un peu trop. En fait, oui, le truc dans le jeu qui est assez intéressant, c'est le fait que selon la hauteur et l'angle à laquelle tu tires, tu peux faire. Comment dire? On va arrêter de tirer avec ça, ça sert à rien. Tu peux réussir à dévier les projectiles et donc éviter de te faire tirer dessus, ce qui peut être assez intéressant. Ici, on va se mettre, voilà, quelques petits stockages d'énergie, quelques petits stockages de matériaux, ça c'est bon. On a pas mal de tout là pour l'instant. On va pouvoir attendre pour faire l'usine qui va nous débloquer pas mal de trucs. Ouais, ok, ça c'est bon. Alors, quelques petits matériaux qui commencent à être construits. Ici, on a des boucliers, si on veut. Qui peut être assez intéressant. Je sais pas si on va vouloir les utiliser en tant que tel. Je sais pas. C'est peut-être utile, j'en suis pas certain encore. Voilà. Hopalaï, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé là? Bon, on va reconstruire un petit truc en bas. Histoire d'éviter que tout ça, ça s'effondre. De préférence. Voilà. Ok, quelque chose du genre. Juste histoire d'éviter que ça s'effondre. C'est vraiment juste le. Voilà, c'est le principal, on va dire. Le reste, ça ne dérangerait pas trop. Ici, on peut pas en placer d'autres, j'ai l'impression. On peut pas en placer en hauteur. Ouais, voilà. Ça passe plus tant que ça. Hein. Ces projectiles. Alors, ça, je m'en inquiète pas trop. Surtout que le petit bloc qu'on a en avant, il me dérange pas tant que ça. Ah, là on peut les améliorer. Ok. Là on peut améliorer nos mines. Donc on va toutes les améliorer. Ce qui va nous couper notre production pendant quelques petites secondes, malheureusement. Pas plus grave que ça. Tant qu'il n'y a pas grand chose à réparer, je pense que c'est correct. Celle-là ici, elle va bien. Ces deux en haut, je vais devoir les améliorer. Et là, je devrais débloquer. Ah non, il faudrait que je construise d'abord. Il va me falloir 800 matériaux. Donc dès que ça sera tout amélioré, on va avoir notre production de matériaux qui va remonter à fond. Voilà. Et on devrait pouvoir faire. Ça ici. Alors, je sais pas la taille, par contre. Hopalaï. Oh, ok. Bon, la production d'énergie devrait bien descendre sur le coup. Hop. Ouais, voilà, on va les mettre comme ça. Je sais pas si on peut en mettre ailleurs. 85% d'efficacité, on va en mettre une en retrait alors, comme ça. Même si les autres se font éclater, celle-là sera toujours protégée. Et ici, non, ça, je peux pas en mettre. Bon, tant pis. Alors 800, on va les réattendre à nouveau. Ok, alors attends, on va. Nous aussi, on va tirer là un peu quand même. Voilà. Parce que j'oublie un peu de tirer quand même. Machine. Hop, voilà, ça c'est bien important. On commence à construire là. Bon, on peut voir qu'avec ça, pour l'instant, on fait pas beaucoup de dommages. Toi ici. Hop, hop, là. Hop là, j'ai oublié des petites réparations moi. Hein. Ça c'est un truc que j'aurais dû. C'est dommage que ça soit pas automatisé, tiens d'ailleurs ça. Avoir des constructions automatiques. Donc ce que je disais, c'est que toi ici, je voulais t'améliorer. Voilà. Ceux-là, je ne veux pas les améliorer parce que ce qui paraît, si on les améliore, ils vont plus me protéger des tirs. Ce qui est pas tout à fait ce que je veux. Donc voilà, ça on va réparer tout ça. Voilà. Donc lui ici est en train de se faire améliorer. Petit blocage de tir. Alors, il y a un petit peu qui passe comme d'hab, mais c'est pas la fin du monde. Hop. Hop, ouais. Ah, il me faut un gars normal par contre. Ok, bon, on va. Ouais, on va faire ça comme ça. On devrait bientôt avoir. Cette machine sera bientôt finie, donc on pourra bientôt avoir plus de possibilités.
d'objets. Donc ça sera bon. Voilà, donc toi t'es fini. Hop, et on va te dire. Voilà. Ok, ouais, on fait ça. Toi ici. Voilà. Son tir là. Ah bon, c'est pas passé. Je m'attendais à ce que ça passe. Mais ce n'est pas du tout passé. Je pensais que en l'améliorant, ça a amélioré sa puissance. Mais il faut croire que non. Si je construis lui ici, on va te supprimer, toi. Hop là, et ils font bien mal hein, quand même. Voilà, on va faire un super canon. Alors, écoute, super cher ce canon, mais normalement, il est super efficace aussi. Voilà, c'est la logique, un petit peu quand même. Ok, toi ici, on va t'améliorer. Voilà, comme ça, même si on a moins d'énergie, parce que ça ici c'est un canon à énergie, si je me trompe pas. Si on regarde, alors si on a la mitrailleuse, sniper, mortier incendiaire, tir de barrage, on a le canon, artillerie lourde, palaï. Ok, alors là je pense qu'ils ont un canon, vous voyez. On va faire un mur d'énergie là, tout réparer ça ici, voilà. Petit mur d'énergie, on va reconstruire nos planches ici. Voilà, ok, ça fait un peu mal, ça fait un peu mal. Ok, alors là ils vont tous nous tirer, on va prendre 3, voilà, on va juste les réparer, on va activer notre boost et normalement on devrait être capable. Voilà, de leur faire tous tirer ensemble. Et là, ils font des tirs inflammables. Alors ça, c'est assez puissant. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, on a fait quand même énormément de dommages sur le coup. On va juste te dire, hop, tu tires à nouveau. Voilà. Hop, voilà. Bon, là, on s'est fait détruire notre sniper. C'est pas grave, le tir est déjà parti. Hop. Bon, on n'a pas détruit grand-chose sur le coup, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. De ce côté-là. Ok, bon, on arrive à bloquer le coup, c'est pas grave. Matériaux ici. Hop. Voilà. Pourquoi t'as pas voulu me le faire ici? Je sais pas. Je sais pas. Des fois, faut pas chercher à comprendre. Ouais, voilà, ok. Ça va avancer. Ok, et ça ici. Ça serait bien si. Bon, tant pis. Ça. Oupa l'ail. Ouais, voilà. Pensez bien à protéger vos objets. Oui, ça, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Écoute. Ah, ça, c'est fini. Ok. Donc, ça, on est chargé à fond en énergie. Donc, on va ouvrir la porte. Voilà. Et là, ça nous consomme une tonne d'énergie, comme on a pu le voir. Mais c'est la beauté de la chose, c'est que ça fait super mal aussi. Ok. Ah là, ils vont essayer de nous l'abattre. On va prendre des armes. On va se mettre des petites mitraillettes. Ici. On va se mettre une petite mitraillette. Ah, je sais pas si ça va marcher ici parce qu'il y a le bouclier, je pense pas. Hop. On va se mettre une petite mitraillette en bas. Tiens, histoire d'au moins attirer l'attention. Voilà. Ensuite, canon, il nous en faudrait plus, mais je sais pas où les mettre en fait. Je sais pas où les mettre, je sais pas si on peut se descendre une zone en avant. Voilà. Beau petit trou là dans la coque. Cela va être bientôt prêt à tirer. Oh, attends, j'ai raté un morceau moi. Bon, bah, victoire. Non mais tant mieux, mais j'ai raté un morceau. Bon, attends, replay immédiat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, on regarde ça. Ouais, il y avait un canon, il y avait son laser. Par contre, il s'était mis un truc devant. Alors, ça, c'est étrange, d'accord, pas de souci. Tout ça, c'était quand même bien endommagé à l'intérieur. Ah ouais, j'aime ça, la défense. Double porte. Et ensuite, voilà, ce qui fait que ça, il y a deux trucs ici qui doivent s'ouvrir. Pour pouvoir marcher, ici, il y a deux tirs. Ah ouais, ok, là, on a tout détruit ça. D'accord. Alors là, ça a pris feu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ok, ça s'est écrasé.
Ok, je comprends. Ouais, c'est bon, je comprends. Voilà. Ok, donc les objets sont tombés, ça a explosé en bas sur son cœur, donc tout à fait boum. Je peux comprendre, on peut le transformer en gif à ce qui paraît, pourquoi pas. Voilà, donc quitter. C'est quoi, on va en faire une autre. On va en faire une autre petite, voilà, continuons la découverte du jeu. Cela a l'air assez drôle, tiens. Lui, pourquoi pas. Pourquoi pas, ça c'est... Ok, c'est pour voir d'autres images, ok. Alors normal, tout ça, défense automatique. Œil de lynx, je sais pas c'est quoi, sniper, ok, c'est la même chose que nous. Ok. Ok. Ok, donc là on commence, on n'a pas grand-chose, comme d'hab. Donc on va commencer par mettre une autre mine de ce côté-là. Il faudra en mettre peut-être une autre directement ici. Peut-être mettre une éolienne ici pour l'instant, voilà, histoire de produire un petit peu d'énergie. Voilà. Ici, on va pouvoir d'ailleurs mettre quelque chose. Ça pourrait être assez intéressant. Espérant qu'il n'y ait pas d'objets qui apparaissent comme ça n'importe où quand on construit à côté. Voilà. Un petit peu plus de production, s'il vous plaît. Ok. L'électricité repart. Les matériaux avancent tranquillement. Allez, un petit peu plus, s'il te plaît. Je vais mettre ma dernière mine. Bon, on pourra mettre sûrement une autre en haut, mais pour l'instant. On va pas se concentrer là-dessus. Je pense qu'on est à l'abri sur cette map pour l'instant. Parce que si on regarde, voilà, il y a cet immense château entre nous deux qui devrait nous protéger pour un bon petit moment. D'accord. Donc, on mettra pas d'armes tout de suite. Ce qu'on va faire, est-ce qu'on va vers en haut? Je pense pas. Hein. Hop, hop, ouais. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ouais. Attends. Là, c'est pas facile d'essayer d'attraper l'objet sans le reste. Voilà. Ok. Là, j'arrive à le prendre. Attends. Oh, pas là. On s'est fait tirer dessus. D'accord. Ok. Non, on peut se faire tirer dessus. Alors là, je pense qu'il utilise un mortier ou quelque chose du genre. Parce que sinon, j'ai aucune idée comment il fait. Ouais. Voilà, ok, oui, j'y arrive. Ils y arrivent très bien, même. Arme. Voilà. Ok. Ici, on va en mettre une autre. Voilà, deux armes. Vous êtes à court d'énergie. De quoi je suis à court d'énergie? Je suis plein d'énergie. Qu'est-ce que tu me racontes là? Matériaux. Hop. Hop. On va monter ça tranquillement vers ce côté. Non, c'est pas ça que je veux faire. Ouais, attends, on va juste mettre une petite corde comme ça. Voilà. Voilà. Cette petite corde va être liée ici. Voilà. Ça, c'est plus logique. Abattez-moi ces projectiles avant qu'ils nous touchent. C'est quand même pas si compliqué. Hop. Ok, ça penche un peu hein, quand même. Et hop. Voilà. Ça, c'est bon. On est stabilisé. Normalement. On n'aura plus de soucis. Voilà. Ok, donc ça c'est stabilisé. Arme ici. On va peut-être pouvoir s'installer des mortiers en effet. Ça pourrait être intéressant à avoir. Pour ça, amélioration des armes. C'est quoi pour, déjà pour débloquer les mortiers, je me souviens même plus. Ce qu'on pourrait peut-être faire par contre, c'est ça ici. Ça ici. Histoire d'avoir un petit peu plus de matériaux. Hop, on va juste par contre commencer à relier nos zones histoire de les protéger un peu, voilà, voilà histoire d'éviter au cas où que ça touche que ça fasse pas tout exploser de ce côté là. On va mettre ça ici, hop, ça on peut pas le relier, hop, voilà ça ici. Non, c'est pas une corde que je veux faire. Voilà. De ce côté-là, bien important. Machine, tout ça, éolienne, il va nous falloir plus d'éoliennes. Alors, de ce côté-là, je pense qu'on va mettre... Voilà, deux éoliennes facilement. Ensuite, on va pouvoir aller chercher peut-être un peu
plus d'armes. Je ne sais pas exactement. Machine, on a presque tout pourtant. Ok, ouais, c'est parce que ça, c'est pas encore fini. Hop. Ça, on peut pas améliorer encore parce que je pense qu'on a juste pas l'amélioration. Ok. Oui, oh, continue à s'améliorer. On continue à s'améliorer aussi. En bas, on a une petite autre île. Et ici, est-ce qu'on a des matériaux? Non, il n'y a pas de matériaux, mais je suppose que ça serait utile de pouvoir prendre la zone centrale. Voilà. Hop, c'est passé proche. C'est pas assez proche. Par contre, si je mets ça ici, vous savez quoi, on va le faire. On va le faire. C'était intéressant tantôt. Pourquoi est-ce que ça ne le serait pas maintenant? Après tout. Donc. Ensuite, on va monter ça. Stabiliser ça comme ça. Oupa là. Ok. Allez. Réparation, réparation, réparation. Il faut pas que la corde brûle. Oupa là. On se fait bien toucher. On se fait bien toucher. Arme. Hop. Hop. Voilà. Ici, une autre arme. Je pensais qu'on a une. Ouais, on a celle-là ici qu'on va pouvoir supprimer. Elle sert plus à rien maintenant. D'accord. Une tourelle. Mitrailleuse ici. Ok, ça c'est parfait. Ok, voilà, ça ça devrait être bon. Ensuite, ici on va rajouter une corde comme ça. Comme ça, voilà, ok. Donc ça c'est bon, je sais pas si ça aide vraiment à solidité et corde, mais on va supposer que oui. Ok, voilà, un petit peu plus de tir dans les airs. Ça serait peut-être le temps de se mettre quelques mortiers aussi. Quoi qu'on a le, on a le sniper maintenant. Donc on peut peut-être... ouais, non, ok, c'est ça. J'ai pas vraiment le choix de tirer là-dessus sur le coup. On va commencer par tirer là-dessus. Voilà. Est-ce que ça fait grand-chose? Ouais, non, pas vraiment. C'est une structure métallique autour. Ça fera pas grand-chose pour l'instant. Hop, allez. Ok. Allez, on répare, on répare. Ok. Par contre, nous aussi, on va commencer à s'équiper de mortiers. Oh, calmez-vous un peu, là. Messieurs, messieurs, on se calme. On répare tout, là. On s'est fait exploser quelques étages. Ouais, oh, ça, bon, ça a l'air bon. Juste l'arme qui a été détruite sur le coup. Hop. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on peut placer d'autres armes dans une position intéressante pour tirer? Pas en arrière en tout cas. De ce côté-là, par contre, on devrait être capable. Voilà. Ici, je pense qu'on devrait être capable. Voilà. Ok, ouais, en plus ça ici, si je me trompe pas, voilà. On peut se relier dans tous les sens comme ça. Est-ce qu'on s'est fait toucher? Non, on s'est pas fait toucher. Parfait. On va prendre ces deux mortiers là. Voilà, 100% à cet angle là. Hop, ok, ils sont fait abattre. C'est pas grave. Voilà, on retire exactement la même position. Alors, je sais pas si ça va toucher, hein, mais voilà. Pour l'instant, on va tirer comme ça. Ok. Machine, ici, il manque, ah, il manque de l'énergie pour faire ça. D'accord, j'ai pas mis assez de réserve d'énergie. Ok. Je vais rajouter des réserves de matériaux aussi. Voilà. Ok. Ça, c'est très bon. Pour l'instant, on arrive à se débarrasser de la plupart des missiles ennemis, donc hop, ouais, on peut tirer en haut théoriquement, mais je pense pas que ça changerait grand chose. On va retirer en bas, voilà. On va continuer à tirer en bas tranquillement. Hop, hop, les tirs sont partis. Oups, c'est passé proche de nous, hein, quand même, ça. Hop, un missile de toucher, ouf, c'est passé proche aussi. Voilà. Hop, ok, on vient de se faire toucher. Réparation, réparation. Hop, là, ok, un sniper qui s'est fait abattre. Un sniper de neutraliser. Ça ici, est-ce que je peux le placer ailleurs? Je pourrais sûrement placer un en bas. Hop. Voilà. On va relier ça comme ça. Ça ici.
Non, ça on va pas le relier comme ça. Et tirer ça. Ouais, ah. Ouais, voilà. Ok. Ça c'est le plus important. On est. Hop, je pensais qu'on était posé, mais faut croire que non, hein. Voilà. Ok, là on devrait être posé. Arme. Ouais, vous savez quoi, on va placer ça ici aussi. D'accord. Ça ici, améliorer. 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 Et cela, on n'a pas les matériaux directs. On va attendre deux petites secondes. Voilà, beau petit tir de mitraille sur le côté. Ah, manque d'énergie. Améliorer. 200 et 1000. Ça va arriver dans quelques secondes. Alors, comment est-ce qu'on fait pour les neutraliser? C'est la question maintenant, quand même. C'est ça la question. Puis on va mettre ça devant. Juste. Ouh, pas là, ils ont un canon. Ok, ça c'est pas bon. Moi, une fois qu'ils auront détruit la structure, on va pouvoir commencer à leur tirer dessus. Envoie une gifle de gros calibre. Ok, ça pourrait être intéressant. Pas tout de suite, par contre. Là, s'ils ont des gros canons et pas nous, ça va être un souci. Machine. Alors, 800. On a les matériaux, mais on n'a pas l'énergie encore. Ok, on a tout. Ici, ok. Cette planche-là a l'air un peu limite. Mais c'est correct. C'est encore correct. Oupalaï. Ok. Donc là, c'est le moment où on prend ces deux-là et on fait un petit tir là-dessus. Voilà. Faites feu. C'est parti, la première véritable attaque. Oh, attends, on a détruit tous nos trucs. Moi, ça leur a quand même détruit. Ça a quand même détruit quelque chose. Ok. Feu. Feu à volonté. Ah, on leur a mis le feu. C'est bon ça. Ok. Alors, on est en train de construire tranquillement nos armes. Voilà, on va mettre un petit bouclier de ce côté-là, je pense. Juste histoire qu'il tire au canon. On aura une petite protection pour le cœur. Oupa là, le massacre. Ça a bien tapé. Hop, voilà. Ça a bien tapé. Allez, on reconstruit vite fait là. Mais je suis pas sûr qu'on aura le temps de reconstruire tout à temps. Ok, on va mettre des mitraillettes par-dessus. Machine, arme. On va faire matériaux déjà à l'intérieur. On va renforcer ça ici. Ça ici. Ok. Ça ici et ça ici. Allez, 250. Ok, ça c'est bon. Ça ici. Ah, par contre, on a plus de sniper. On a plus de sniper. Ce qui est un petit souci, soyons francs. Il voit pas grand chose, hein, lui. Si je te mets là, non, tu verras rien du tout. Ok. Ok, les tirs qui arrivent. Attends, t'es sérieux, ça a pris une méchante quantité de balles, essayer de la battre. Purée. Mais comment est-ce qu'il fait pour nous faire aussi mal, lui? Ouais, ça fait mal, ça. Attends, je vais peut-être essayer de mettre un deuxième bouclier de ce côté-là. Voilà, ça comme ça. Donc là, on va avoir deux boucliers de cette zone-là. Donc normalement, on tiendra peut-être un peu mieux. Ce qui va peut-être nous falloir donc plus de sources d'énergie, par contre. Ça, c'est autre chose. Hop. Voilà, machine. Sniper. Voilà. Alors là, on n'a pas encore assez pour ça, mais on va pouvoir les faire maintenant. Donc on va pouvoir se faire un canon et un laser. Ça sera déjà pas mal. De ce côté-là, notre limite. Pourquoi s'exploser de ce côté-là? Notre limite d'énergie a augmenté. Mais j'ai aucune idée pourquoi ça a explosé ici. Ici.
Ok, ici, ils sont peut-être juste en train d'essayer de nous abattre plus loin. J'en ai aucune idée. Ouais, non, ok, bon, en tout cas. On va reconstruire tranquillement. Tranquillement de ce côté-là. Si on continue à abattre tous leurs missiles. Pensez bien protéger vos armes derrière des portes. Oui, ben, je pense, hein, je pense, t'inquiète. Mais pour l'instant, ça marche pas. Pas tout à fait autant que j'aimerais. Alors, on va faire une dernière amélioration. On n'a pas. On a rien en haut. Ok, on va juste mettre lui comme ça. Ouh, que ça fait mal ça. Mais comment est-ce qu'il fait pour me faire aussi mal? C'est sa question là quand même. Je veux dire, ça coûte super cher faire ça à chaque fois là. Arrête de me tirer dessus un petit peu. Oh, à un moment donné. C'est pas croyable ça. C'est pas croyable. Il fait super mal. Il fait super mal. Et en plus, moi je peux rien faire là. Je peux rien faire. Hop. Hop. Oh, là j'ai mis une porte en arrière. C'est pas génial. Mais ça va être ça pour l'instant. De ce côté là, j'ai pas envie de rajouter vraiment de bouclier comme ça. Je couvre la vision de tous mes gars. Mais en même temps. En même temps. C'est pas assez proche, ça me semble. Allez, faites feu. Les missiles sont partis. Allez, cette fois, on bloque pas nos propres tirs. Pff, ouais, ça fait un peu de dommage, mais ça n'est pas grand-chose. Hein. Ok. Pour avoir ça ici, on va bientôt l'avoir. C'est juste une petite question de temps. Matériaux, machine. On va se rajouter une autre éolienne. D'ailleurs, on peut en améliorer une autre. Voilà. Ça c'est joli. Voilà. Ça c'est quand même beau. Voilà, il a tapé notre bouclier sur le coup, donc ça a cassé, mais le reste en arrière est encore là, donc on va dire que c'est une victoire quand même. Voilà, il faut que l'énergie remonte. Par contre, l'énergie qui se produit pas très rapidement sur le coup, puisqu'on a quand même une éolienne à l'arrêt, une de nos quelques éoliennes. Voilà, ou pas là. Ça, ces tirs là, ça fait mal. Ces tirs là, ça fait super mal. Hop, voilà. Voilà, on va faire ça comme ça. Hop, jusqu'en arrière. Alors, on va faire un peu plus de métal de ce côté-là. Elle ici, je pense qu'elle a besoin de passer en métal. Voilà, pour augmenter légèrement la solidité de la structure. Hop, voilà. Bon, je n'arrive pas à la faire passer, celle-là, c'est pas grave. Hop, non, je sais pas où j'ai tiré là. Ouais, allez-y. Allez-y, allez-y. Boum. Allez, petit tir réussi. Deuxième tir. Tire ses obus. Et voilà, ça c'est bien. Alors, le laser, il prend. Il prend, mais par contre, ça prend toute notre énergie pour le faire. Hein. Ça, c'est un petit défaut, on va dire. Augmente la poudre. Pourquoi je peux pas en mettre plus? Exposition au vent requise. Ok, je l'ai. Ok, j'ai pas énergie par contre pour la mettre. C'est un peu fou ça. Je vais faire une éolienne, j'ai pas d'énergie pour faire mon éolienne. Voilà. Allez, remonte un peu l'énergie. Ok. Alors quand il y en a un qui est cassé, je pense que j'en ai un de trop. À mon avis. Oupa l'ail. Ouais bon, ça aussi ça marche hein, après tout. Ça aussi ça marche. Palaille. Voilà, on va reconstruire de ce côté-là. Parce que oui, ça protégera rien du tout si c'est pas construit, bien entendu. Donc, machine. Ok, on va construire ça ici. On va faire une autre éolienne. Et il va nous en falloir plus, je pense, des éoliennes. Oui, vous allez me dire encore plus, c'est vrai que j'en ai déjà pas mal. Mais bon. Voilà. Ouhou, ça c'est joli, le petit laser qui n'est pas passé comme il voulait, je pense. Là d'ailleurs, je sais pas pourquoi c'est en feu en haut. Peut-être qu'il s'est tiré sur lui-même. Ce serait drôle ça quand même.
Ouais, il est en train de se réparer quand même, par contre. Alors, on est bien protégé. Ce petit mur, on nous protège bien, mais on pourra pas tenir infiniment avec ça. Donc. Oh non! Non! Ça devrait tenir. Ouais, comme ça. Ok. Ouais, allez. On relie les deux. Là, les deux peuvent plus tomber parce que les deux sont reliés ensemble. Voilà. Voilà. Ok. Donc, machine. Par contre, t'as perdu un peu d'efficacité, toi. Hein. 37%, ouais, tu vas pas vite. Hein. Hop, 64% d'efficacité. 76, 70. Hop, pourquoi t'es si bas? 88% seulement. Ah ouais, ça c'est beau quand même. Ça c'est beau. Alors je pense qu'il a essayé de changer d'arme parce qu'il n'arrivait pas à nous battre. Et sur le coup, ses nouvelles armes sont encore moins efficaces. Bon, pourquoi pas, hein. C'est un bot, il a pas trop réfléchi, faut croire. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Hop. Purée. Ouais, je dis ça, mais ensuite il m'éclate quand même la moitié de la base. Ok. C'est quoi? C'est quoi? On va faire ça ici, une autre petite zone défensive, parce que c'est toujours la même place hein, qui nous éclate. Après tout, là, c'est toujours la même petite zone. Voilà. Petite zone presque pas sécurisée. Voilà. Ça, normalement, ça passe plus. Oupa l'œil! Oh non, ça c'est pas bon. Ça c'est pas bon. Ça c'est vraiment pas bon. Ok, on va faire ça comme ça, hein, vraiment là, à l'arrache un peu, on va dire. Ok. Là, on se fait bien éclater hein, tranquillement. Tranquillement, tranquillement, il va nous éclater. Oh, attends, ça fait mal ça. C'est un peu de respect quand même. Un peu de respect. Voilà, on va rajouter deux éoliennes comme ça. Oupa. Les dégâts que ça a fait. Et une fois que ça a passé le laser, c'était bon, hein. Pas le laser. Une fois que ça a passé le mur, il n'y a plus de soucis. Attends, bah, j'ai besoin de plus de matériaux par contre. Voilà. Ça au minimum. Pour l'instant, machine. Et là, j'ai plus assez de matériaux. Hein. Pourtant, j'ai toutes mes mines à fond, mais je suis pas capable de garder mon matériau 2 secondes avec ça. Hop, voilà. Voilà. Ça coûte super cher à entretenir. Et malheureusement, je pourrais pas le garder comme ça à fond. Ouais, bah c'est bon, hein, un petit bouclier ici aussi. Hein. Là, sur le coup, ça coûte un peu cher. Ah, petite réparation rapide. Je répare partout là. Et un nouveau petit bouclier. Pff, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et là, ils vont m'éclater ça. Voilà, bah, écoutez, ça détruit pas la structure. Mais c'est pas loin non plus. Ouais, hop, juste un qui est passé par contre. Oh, pas là. On a vraiment plus assez de gars pour protéger là. C'est dans ces moments-là que tu le réalises, quand tous tes obus qui passaient plus depuis 5 minutes commencent à te toucher, tu réalises que là, il y a un nouveau petit souci. Voilà. Alors les armes, ça prend 900. 900 faire un canon, 1000 faire le laser. Je pense qu'on devrait aller vers le laser. Mais je suis pas certain qu'on peut l'attendre. Vu comment ça nous éclate. Ouais. Alors où est-ce que je le mets? C'est la question quand même. Vous savez quoi? Je pense que ce que je vais faire, je vais le construire comme ça.
je vais construire deux rangées en arrière. Tranquille. Voilà. Hop. Voilà. Oh, ils le verront pas. J'ai confiance. J'ai confiance qu'ils vont pas le voir. Voilà. Voilà. Non, mais je m'attends. Honnêtement, je sais que dans 30 secondes, ils vont me l'avoir explosé. Hein, c'est pas un souci. Mais j'espère. Honnêtement, j'espère qu'ils le détruiront pas. Voilà. Et c'est tout. Voilà. Du genre ça. Du genre ça. Parce qu'en tant que tel, je peux mettre un bouclier par devant, mais je vais le bloquer. Ah, ça, c'était joli, par contre. Voilà. Voilà. Ça, malheureusement, c'est un peu dommage. Vous savez ce qu'on va faire? On va lui mettre un bouclier, mais je pense qu'on peut le désactiver, le bouclier. Voilà. Lui dire, fais-moi ça. Ça, ça. Voilà. On va attendre tout avoir comme d'habitude. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé là? Le jeu a freeze, il a crash. Qu'est-ce qui s'est passé? On va attendre 2 secondes. Hop. Oupa là. Oupa là. Oupa là. Ouais, ben le jeu il a pas aimé. Hein. Ok. Bon, je pense que c'est la défaite. Hein. Ça fait 10 minutes qu'on est sur la défensive là. Aïe aïe aïe. Ouais, il a tout éclaté, hein. Tranquillement. Il a tranquillement tout éclaté, c'est bon. Et le pire, c'est qu'avec ça, on peut rien faire. C'est horrible, hein, mais. Tiens, on dit. Voilà, un peu trop haut. Voilà. Voilà, quelques petits tirs à gauche, à droite, on va dire. Faites feu, faites feu. Ouais, tout est sur le point d'exploser, honnêtement. Ouais. Essaye de mettre un canon, honnêtement. Il me faut 5000 d'énergie. Ah ouais, l'énergie, elle baissait là. Ok. Oupa là. Allez, l'énergie remonte. Remonte, remonte. Allez, faites juste éteindre le feu au moins. Ouais, c'est pas grave. J'aimerais au moins faire un tir de canon. Un seul. Juste un tir de canon. Juste histoire de dire, hey, j'ai pas trop échoué. J'ai tiré un canon. Ouh, le petit tir. Le problème, c'est vraiment, c'est le temps en plus que ça prend. Hein. Le temps que ça prend à construire. Et ouais. En plus, j'ai plus rien. Notre cœur, il est à moitié à découvert. Hop, on va essayer de le recacher un petit peu au moins. Réparez-moi au moins ça en arrière. Oup, là, voilà, c'est fini. Là, c'est fini. Voilà, ils viennent de détruire notre dernier espoir. Il n'y a pas de bouton accéléré, c'est quoi ça? Je sais pas c'est quoi. Ok, bon, c'est pour voir notre cœur, je suppose. On peut pas le détruire. Ok. Non, ça aurait été drôle. Une façon d'abandonner. En quelque sorte. C'est dommage quand même. Ouais. Ah ouais, là, ça explose un peu. C'est vrai que laisser le feu allumé, c'est une bonne idée aussi. Souvent, ça surchauffe. On voit sa vie descendre. Boum. Et voilà. C'est fini. Échec de la mission. Alors, comment ils avaient deux gros canons. Un laser. Et là, ils avaient plein de mitraillettes. Ah, ça, c'est une bonne idée. C'est pas pire. Moi, j'ai pas pensé à faire les démarches comme ça. C'est vrai que c'est pas pire du tout. Les sacs de sable aussi. Fait que là, il doit ouvrir deux portes en tant que tel pour pouvoir tirer. Mais il est bien protégé sur le coup. Là, il y avait un beau petit. Une belle petite zone vide aussi sur le coup. Voilà, boum. Ouais. Petit tir de laser qui a tout fait. Mais ouais, les deux portes. C'est vraiment pas bête. Bon, ça ici c'était surtout pour empêcher nos tirs de mortier à nous. Mais sur le coup, bon, il s'amuse à détruire ce qui restait de ce côté-là. Mes canons, ouais. C'est tellement puissant les canons dans ce jeu-là. Et j'arrivais pas à les faire. Hein. J'arrivais pas du tout à les construire. Hein. J'avais pas la force pour. En tout cas, hop, non, c'est pas ce que je voulais faire. Hop. Voilà. En tout cas, voilà, on va s'arrêter ici pour ce premier petit test. Voilà. Et donc, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Oups.
À la prochaine. Bye bye.